bamba dit nous là que nous pas jamais déconner et nous pas comprendre pour qui ça président Jovenel Moïse fait déclaration ça. Salam dit vraiment n'a dit dans la question de déclaration Jovenel Moïse comme président de la République pas fou. Premier pour nous connaître. Il pas égaré, il pas fou. Il a une tête bien placée sous épaule. Léon président parle comme ça, il dit que yo forcé le nommer des juges qui corrompu en dans système non. C'est pas un monde qui bat le courant. C'est pas un monde qui forcé le deal. Il connaît exactement ça le dire. Et m'bal dit nous ça gagne des questions déclaration ça madame monsieur matin dans l'émission matin débat. Ça veut me dire nous prend t-shirt bas nous parce que ça, c'est parti qui est plus important dans le débat qu'a fait là dans le pays sur la question de déclaration président. Et c'est seulement un débat qui a dû ça va aller. Mais, moi-même, le connais si qu'a regardé. Je saisis, moi, que CSPJ font note, je saisis, mon bouge ça parce que, comme si c'est pas vérité lié. Comme si bien matin, c'est pas vérité. Comme si maintenant, le monde n'a qui estomaqué, qui étonné, qui y a aucun problème parce que le président dit que le système est des juges corrompus. Comme si c'est la première fois nous tendons barrer comme ça. Comme si c'est la première fois que nous connaissons que le système là justement, il y a des juges qui corrompus là-dedans. Comme si nous ne pouvons pas ça même. Comme si c'est la première fois nous entendons ça. C'est comme dans nous sommes menti, président Abaye. Jovenel Moïse a bien menti. C'est pas la première fois dans ça dans le système. Et tout le monde connaît justement que le système judiciaire là. Il y a des juges qui ont bu la donne. Et c'est pas le premier monde qui dit ça. Non, Batoni a été dit. Batoni okay? A été clair. C'est pas le premier monde qui dit ça. Pour qui ça? C'est le Jovenel Moïse dit là. Et puis il y a toute réaction ça. Alors on va défendre Jovenel Moïse. Comme il y a un pays qui a fait. Même si on a une question Petro-Caribé, on dit tout n'est ça. Je ne pas manger poids, je ne pas bailler la pirée. Mais cependant, par contre, il y a tout qui a pris un menem non courant. Sans que je banalise. Et même gens là, dans la question de grâce au président de la République, Jovenel Moïse, tout le monde connaît que justement, le système est corrompu. Tout le monde connaît. Et ceci depuis longtemps que il y a des juges corrompus dans le système judiciaire là. Et pour qui ça, c'est le président d'il, il y a tout tolé ça, il y a tout levé de bouclier ça. Et bien, nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça, non? Maintenant, au cas dit, Jovenel Moïse comme président de la République, comme c'est devant président, pour nous tout juge passé, c'est lui-même qui pour accréditer, c'est lui-même qui pour valider pouvoir. Si c'est président, y est, ou t'es une capacité ça, on te connaît justement que juste ça, corrompu. Pourquoi arriver là? Ok? Pourquoi là? Allez, ou quitter jusqu'à ce que c'est force au nom meilleur. Pourquoi arriver là? Allez, oui. Pourquoi arriver là? Pour qui ça ou pas de faire, pour qui ça ou pas de dégager, ou faire vertine ça, et puis pour juste ça ou même, y'a pas jeune pouvoir. Parce que c'est où des capacités et autorité pour valider pour voir. Loco, pourquoi arriver là? Allez, jour d'après aller. Ok? À ce qu'on est, que un pile monde pas qu'on est. Ok? Donc ça, c'est pour les bagarres là. Parce que n'a pas le vin sur ça. Maintenant, la question des bagarres fait que le président dit juste qu'on peut, nous, on a des gens qui, tout le monde monte sous le dos, pas occupé. Parce que tout le monde connaît déjà, depuis longtemps, que il y a un juge qu'on peut dans le système là. Oui. Et c'est pas le président en premier. Et pas première fois dans de ça, des bâtonnets qui disent, tout le monde a dit chaque jour. Pourquoi ça c'est qu'on Jovenel Moïse dit là? Et puis il vient en vérité pour tout le monde et puis tout le monde a un problème. Parce que le problème là, nous ne connaissons pas. Mais le problème là. Mais ma question m'a demandé nous, c'est que, est-ce que nous, elle lettre, c'est SPJ a gagné une signature là-dedans? Depuis que nous avons répondu sur ça, bon, est-ce que nous, elle lettre, notre CSPJ, est-ce que nous, elle gagne une signature là-dedans? Non. Comment bien oui? Est-ce que nous avons notre CSPJ fait suite à la déclaration président? Est-ce que nous avons une signature? Non, pas une signature. En bas, l'être lavé matin, il marqué le comité. Nous avons checké, oui, si nous voulons. Est-ce que nous avons une signature en bas, l'être CSPJ? Non, il n'y a pas une signature. Non, car il y a le comité, mais il y a un cap signé pour le comité. Ah, ouais, le comité. Où est le comité? Mais est-ce qu'on va être la consciente? Non, on va être la consciente.
ça que fait le bagage signature. Parce que c'est côté de sortir. Je vais poser une question plus grande. Gon côté l'état sorti. Qui est-ce qui a dit que c'est SPJ qui a écrit l'état? Qui moun qui a dit c'est Jules Cantab qui a écrit l'état? Qui moun qui a dit c'est M. Kok qui a écrit l'état? Note là. Pas de moun qui a répondu ça. Pas de moun. Mais faut me poser une question. Et c'est ça qu'on a fait là. Gon côté l'état sorti. C'est même dit nous loi président proposition il va égarer le compte qui ça l'a fait le compte qui ça l'a dit le compte de qui ça l'a parlé et mais qui ça passé Jodian Jovenel Moïse conscient comme président de la République et il est devant le fait accompli. Jovenel Moïse est en phase d'être destitué par un coup d'état parlementaire. Ah, et pas le cas parler matin, hein? Et c'est lui pour nous connaître aujourd'hui. Jovenel Moïse, dans route là, pour le perdre du pouvoir, à partir d'un coup d'état parlementaire qui a rapport avec le dossier de Petro-Caribé. C'est ça pour nous comprendre. Mais il va qu'à faire. T'as l'air, prématin, t'as l'air. C'est ça pour nous comprendre. Ah, mais qui s'est passé? CSPJ est contrôlé par Youi La Tortue, le président du Sénat. Mmh. Et ça fait me dire, nous, l'être là, il faut nous demander est-ce que c'est que t'as écrit. Notre la carrière qui va y ou la tortue d'oui. Même si on les rapports à tes sotinyan. C'est Youi qui m'a dit quand t'as écrit pour m'a dit rapport à titre d'information. Comprenez bien, oui? Maintenant, qui est-ce qui contrôle le CSPJ aujourd'hui à la Youi La Tortue? Qui est-ce qui contrôle le Jujio? CSPJ. Qui est-ce qui a mis le président en accusation? Tribunal de haute cour de justice là. Chambre députée. Chambre députée a fait. Chambre députée. Chambre députée. Chambre députée. Et ça fait. Et puis ensuite. C'est ça fait tout à l'heure. Chambre députée. Et puis ensuite. Non, chambre députée. C'est lorsque chambre députée finit. Ok. Et puis ensuite. Le Sénat de la République. Jusqu'à présent, chambre députée, pourquoi on a pas là? Pas bon, non, pourquoi on a chambre députée là? Non, et puis chambre députée, ça va dans le Sénat. Si il y a un tribunal de haute cour de justice qui a dressé au niveau du Sénat, qu'est-ce qu'il y a, président? Il y aurait la tortue. Comprenez bien, oui? La question rapport à madame, monsieur, pour ça que Jovenel Moïse attaque, il y a attaqué là. Parce qu'il n'a pas de choix comme président. Parce qu'il y a un épée d'amoclès sous tête de Jovenel Moïse sous question rapport au Caribéen. Donc, Jovenel comme président, attendez, oui. Obligé faire toute ça le connaît pour le démonter rapport parce que samedi nous là côté que le cap perdu pouvoir à partir de ce coup d'état parlementaire ça à partir de rapport le capable perdu pouvoir parce que Youi La Tortue besoin d'un sanctionnateur. Comprenez, il pas besoin conseil CSPJ. Maintenant s'il va neutraliser CSPJ depuis qu'on y a, il va neutraliser ou du moins il va démonter rapport. Ça va passer. Ah ben ça m'a dit non la privé sur lui quand même, oui. Maintenant, lui obligé faire frappe là depuis Paris. Pour dire où il a tortu avec toute l'équipe CSPJ, nous connaissons, comprendre. Non, il y a son message. Ah oui, son message, oui. C'est un message. Maintenant, madame, monsieur, la déclaration du président Jovenel Moïse, c'est un message justement à Youi La Tortue et à CSPJ. Comprenez bien. Maintenant qu'on y a. Mais t'as dit ça déjà, malheureusement c'est ça que c'est où ça rapport après. Parce que bataille qui est là, son bataille, la valasse, en face tête calée, et puis Youi La Tortue dans un moment qui est en mi-temps, qui lui-même la travaille vers la conquête du nouveau pouvoir. Et Youi a voué comme président du Sénat, comme chef de parti politique, entre la valasse qu'on est dans le rapport, il est censé être entente avec la valasse sous question rapport, et tête calée, parce que chaque lèvre dans petit de l'eau, il passe les mains sous tête Jovenel Moïse. Mais bataille qui gagne là, madame, monsieur. Maintenant, Jovenel comme président de la République, vu que le rapport qu'on y a, son rapport, qui est très politisé, parce que il est politique à 100%, malheureusement pour la nation haïtienne, comme président de la République, je vais dire déjà dans l'émission ça, d'après nous-mêmes, nous pensons que Jovenel va quitter la valasse, mettre deux là, t'es là. Est-ce que nous pensons, selon nous-mêmes, d'après nous-mêmes, est-ce que nous pensons que Jovenel Moïse va quitter
La Valas mettait deux latères là. C'est même bien tout. Si la Valas était dans le pouvoir, et que c'était Calais qui était contrôle le rapport, Aristide Dabki donne les mettre la terre, à partir d'un rapport. D'ailleurs, si c'était Aristide, comme président la Valas, qui était gagné, majorité ça au niveau du Sénat, et puis t'es trois sénateurs tête calée qui tapent mené un rapport, qui épingle Aristide là dans le président, ou un qui est tapé sa papier. Donc, faut que nous comprenions ce jeu là. Donc, maintenant, comme Jovenel Moïse est en ouais que, il a pris un coup d'état parlementaire avec question rapport, il est obligé, je dis, s'il voulait être président, quel que soit genre, faut que nous casse ce rapport là.